Comment tu te sens, Paulette? J'ai mal à la tête, mais il paraît que c'est normal. Tu sais, pendant ton coma, j'ai bien réfléchi, en fait. Et je me suis dit que j'avais pas été trop présent en tant que père. Donc du coup, on se cause pas beaucoup. Ben, on se connaît pas bien, mais c'est normal. On n'habitait pas ensemble pendant toutes ces années. Alors je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'on parle. À cause de ce que j'ai vu ce matin avec ton ami là. Ouais. Tu sais, ça m'a fait un choc, hein, parce que moi je savais pas que. Alors je voudrais savoir en fait. C'est juste une expérience comme ça, pour voir. Je comprends pas. Parce que je veux dire, c'est qu'à ton âge, on se pose des questions. Hein? On essaye des choses, mais bon, ça passe. Peut-être que pour l'instant, toi, tu crois que c'est important. Mais bon, en 5 ou 10 ans... Papa, s'il te plaît. Bah, tu te rends quand même bien compte que c'est pas une relation normale, ça. Hein? Tu vas pas être comme ça toute ta vie, quand même. Un jour, tu voudras des bébés. Je sais pas. Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais... En fait, je veux te dire que si un jour t'as besoin de conseils avec les garçons, ben t'hésites pas, tu peux venir me voir. Hein, je suis ton père, en fait. Je suis là pour ça. Bon, ben, je vais te laisser te reposer. Je reviendrai demain. Dans l'herbe et on s'est embrassé. Et tu t'es la reine du monde. Ouais. Ça m'a fait plaisir que tu viennes au mat vendredi. On m'attend mieux. Comment t'as su que tu étais là-bas? Bah en fait, j'avais compris que la jeune fille là. Tu peux dire ma copine? Ça te dérange de dire ma copine? Non. J'avais compris que ta copine, elle te manquait. Et que vous trouviez souvent là-bas. C'était bien vu. Tu sais, là en fait, moi je suis un papa comme les autres. À aucun moment j'ai pensé que tu pouvais t'attirer par les jeunes filles. C'est pour ça que j'ai eu une mauvaise réaction. Ce qui m'a fait plus de peine, c'est que tu crois que j'étais pas vraiment comme ça. Bah, je me suis raccroché à ce que je pouvais. Et maintenant? Bah, tu restes ma fille. Je t'aimerais jusqu'au bout. Je te déçois pas? Comme ça, faut que j'accepte. Mais tu l'acceptes vraiment? Ben, je te mentirais si je te dis que c'était facile. Ce qui est important, c'est que tu sois heureux, moi, ça va. Ben, je serais plus heureuse si Christelle n'était pas partie en Suisse, mais... Tu sais, c'est vachement rare, quand même, pour rester avec son premier amour toute sa vie. Ça me console pas trop, ce que tu me dis, là. Bon, tu le verras petit à petit. Non, je le verrai jamais. Oui, si, puis tu rencontreras d'autres jeunes filles. Mais j'ai pas envie de rencontrer d'autres jeunes filles. Comment tu fais, maître? Attends, Léa. Je t'aime. Tu comprends ça? Et puis, faut que tu m'excuses si de temps en temps je suis pas très délicat. C'est pas grave. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. Entre. T'es toute seule? Non, il y a ma soeur qui est là. Je
Ça te fait plaisir que je sois venue? Bah trop. Tous les jours, je me dis que c'est avec toi que je devrais être. Papa, c'est pas le moment, là. C'est lui qui m'a payé le billet d'avion pour que je puisse te rejoindre. Et vous partez sur au ski avec ta soeur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Il t'adore.